L'objectif qu'il y a derrière l'organisation des awards de la marque OAPI est d'une part de mettre en compétition, d'autre part de récompenser les entreprises de l'espace OAPI qui font usage du système industriel de protection de façon générale, mais en particulier des marques pour distinguer leurs produits et ou leurs services dans le commerce. Il faut aussi préciser que les awards de la marque OAPI visent à susciter une grande prise de conscience sur l'importance de la marque comme outil de compétitivité commerciale, comme outil de conquête d'une grande part de marché et également comme outil de fidélisation de la clientèle. Et pour terminer, en un seul mot, on dirait que l'objectif qui est derrière l'organisation des awards de l'OAPI, c'est d'encourager les entreprises à protéger leurs signes distinctifs. Les personnes susceptibles de participer aux awards peuvent être des personnes physiques, mais également des personnes morales, comme les entreprises industrielles, les entreprises commerciales, les petites et moyennes entreprises, les start-up, etc. Mais pour cela, les postulants doivent faire acte de candidature dans une catégorie donnée. Pour s'inscrire à la compétition des awards, il suffit d'aller sur le site de l'OAPI en tapant www.oapi.int et vous avez le reste des informations qui vont se dérouler et puis c'est tout. Qu'est-ce qu'une entreprise gagne en participant aux awards de la marque OAPI? Ce qu'il faut retenir, c'est que les awards offrent une possibilité d'exposition médiatique, mais également une grande visibilité aux lauréats dans les 17 pays membres de l'OAPI, soit un potentiel de près de 185 millions de consommateurs et même au-delà. Aussi, il faut ajouter que les entreprises primées bénéficient de l'accompagnement de l'OAPI ainsi que de ses partenaires tels que l'INTA et l'OMPI pour une meilleure protection et utilisation de leurs actifs de propriété intellectuelle. Cette quatrième édition des awards propose quatre prix. Le premier prix est le Grand Prix des awards de la marque. Il est dédié aux entreprises qui disposent d'une marque forte sur le marché de l'espace OAPI et qui connaît un développement remarquable au niveau marketing et au niveau de l'innovation des produits et des services. Le deuxième prix est le prix de la marque régionale. Il est consacré aux entreprises dont les marques sont fortement distinctes et connaissent une expansion à travers leur exploitation sur le marché régional. Le troisième prix est le prix du public. Il est destiné aux entreprises togolaises dont la marque s'impose dans le quotidien des populations locales par la qualité de ses produits ou de ses services. Enfin, le quatrième prix est celui de la PME, qui distingue les jeunes entreprises détentrices de marques dont l'utilisation contribue à les doter d'un fort potentiel de croissance. Vous avez encore quelques jours pour vous inscrire aux awards de la marque OAPI. Pour ce faire, suivez les étapes indiquées dans cette vidéo.